Tout le monde est prêt? La route est longue. Si vous avez des affaires en cours ici, c'est le moment de les régler. Je suis prête. Allons-y. Alors ne perdons pas plus de temps. Nous emprunterons l'un des accès secrets. Les tréfonds y seront vierges et farouches, prêts à se faire déflorer. Métaphore intéressante. Il nous faudra une semaine pour parvenir à notre objectif, et il se peut que les engeances de l'enclin y subsistent. Gros risque, grosse récompense. Risque, récompense, que demander de plus? Tout à fait! Bon, avant de... Minute. Qui a invité la vieille? Pardon de vous interrompre, Cernin, mais je dois parler à mes enfants. Mère, je vous avais dit de ne pas vous impliquer. Je dois savoir une chose. Comptez-vous emmener Bethany avec vous? Je n'ai pas encore décidé. Mère, tout ira bien. Je veux y aller. Non. Vous ne pouvez pas partir tous les deux. Et s'il vous arrivait malheur? Je comprends vos motivations, mais je vous supplie de laisser votre sœur ici. Ce sont les Templiers ou les Engeances, mère. Au moins, je peux combattre les Engeances. De toute façon, vous ne pourrez emmener tout le monde. Vous devrez faire un choix. Pitié, Bethany. N'y allez pas. Ne faites pas ça. Tout ira bien, mère. Croyez-moi. Tout se passera pour le mieux. Vous verrez. Fin du drame familial. On peut y aller? T'en as mis du temps, mon frère. Pour sûr. Direction les tréfonds! Non, c'est impossible. Le héros et sa sœur apostate sont venus à Kirkwall dans le seul but de déclencher une révolte contre la Chanterie. Pourtant, vous affirmez le contraire. Comme par hasard, le héros aurait trafiqué avec les Kunari, rallié un mage du sang, un garde des ombres rebelles. Et pourquoi? L'argent? Les choses ne sont peut-être pas aussi simples que vous le croyez, chercheuse. Simple? Dois-je vous rappeler ce que votre acolyte a fait? Ignorez-vous combien de vies ont été sacrifiées, et combien le seront encore? Et vous avez l'audace de clamer son innocence? Ce n'est peut-être pas le mot juste. Elle était forcément au courant. Le héros savait ce qui se tramait là-dessous. Voilà pourquoi elle a insisté pour participer à votre expédition. Non, aucun d'entre nous ne le savait, sinon... Elle n'aurait pas laissé sa sœur mettre les pieds dans ce bourbier. Vraiment? Dans ce cas, racontez-moi votre version de ce qui s'est passé lors de cette expédition. Eh bien, nous sommes entrés dans les tréfonds comme prévu, mais nous ne sommes pas allés bien loin. Il y a eu un éboulement. Le chemin est bloqué. Quoi? Pouvons-nous le contourner? Pas que je sache. Les voies parallèles sont trop dangereuses. Bande d'incapables! Pourquoi je vous paie, ça ne vaut rien! Montez le camp! Un problème, mon frère. Saloperie de tréfonds! Qui sait combien de temps ça va prendre pour nous frayer un chemin? On ne ferait pas mieux de contourner, plutôt? Cela me semble logique. Tu me prends pour un abruti de cochard, Varric? Les éclaireurs ont dit que les voies parallèles étaient trop dangereuses!
Vous voyez? C'est pour cela que je fais partie de l'expédition. On va voir. Si on revient avec la queue entre les jambes en hurlant, c'est qu'il aurait mieux valu rester là. D'accord, d'accord. Essayez de contourner, mais faites vite. Ah, je n'aime pas alourdir votre fardeau, mais il va le falloir, je le crains. J'ai peur que Sondal, mon fils, ne se soit égaré. Il est quelque part dans ses artères. S'il vous plaît, soyez vigilant. Il ne perçoit pas le danger tel qu'il le devrait. Nous devons trouver les voies parallèles. Nous le ramènerons si nous pouvons. Pauvre Sondal. J'ai du mal à croire qu'il ait fait ça. Hâtons-nous dans ce cas. C'est officiel. Mes ancêtres avaient perdu la raison. Eh bien, je serai l'oncle d'un cochard. Ne serait-ce pas le petit de Bodan? Bonjour. Il a survécu tout ce temps? Tu es blessé? Comment as-tu fait ça? Boum! Et comment as-tu fait ça? Sans enchantement. Bon petit gars. Allons, nous devons nous frayer un chemin à travers cet éboulis.
c'est fait. Nous y voilà. Exactement là où on le pensait. Allons en faire part à Bartrand. Ça va tellement lui plaire. Bartrand, nous avons trouvé le moyen de contourner ce foutu éboulement. Il était temps. On lève le camp! Oh bordel. Est-ce à cela que vous vous attendiez? Je croyais que c'était un vieux teg abandonné, mais... qu'est-ce que c'est? Comment saviez-vous que ça se trouvait là? Vieille histoire de charognard. Une semaine sous la surface, qu'ils ont dit. Mais personne n'y a cru. On dirait qu'ils avaient raison. Établissez le camp! Nous devons jeter un œil! Je ne comprends pas. Rien n'a de sens dans ce teg. Pourquoi donc? Nous sommes bien plus bas que les tréfonds. Si des nains ont vécu ici, c'était bien avant le premier enclin. Mais où sont les statues des hauts? Je ne reconnais rien de la facture de ces murs, ni de ces décombres. Qui sait de quand datent ces ruines?
Votre peuple était peut-être différent à l'époque. J'en sais suffisamment pour savoir que nous n'avons pas changé à ce point. Les nains s'embourbent dans leurs traditions depuis des siècles. Ces nains devaient être uniques. Si c'est le cas, j'espère qu'ils ont gardé leur trésor à portée de main. Cet endroit est censé représenter quelque chose de particulier. Il y a un trésor ici ? Vous l'avez trouvé, c'est incroyable, vous l'avez trouvé! Bonjour. Je vous suis redevable. Je jure sur ma vie que je vous revaudrai cela d'une manière ou d'une autre. Inutile. Savoir que Sandal va bien me suffit. Grâce à vous, vous ne le regretterez pas. Quoi que ce soit, ça a l'air encore intact. On a une chance de trouver quelque chose. Cet endroit semble fasciner Bartrand bien plus que vous. Contrairement à lui, je ne suis pas né à Orzammar. Je ne me trouverais même pas là s'il n'y avait pas quelconque profit. Cet endroit me fait froid dans le dos, pourvu que ça en vaille la peine. Quoi qu'on trouve, ça risque de ne pas être agréable. J'imagine qu'on va devoir descendre pour le savoir. Une bonne chose de faite. C'est trop loin! Vous voyez ce que je vois? Est-ce du lyrium? Je n'ai jamais vu ce genre de lyrium. Regarde ça, Bartrand. Une idole entièrement faite en lyrium, on dirait. Ça doit valoir un bon pactole. T'as peut-être raison. Belle trouvaille. Mal. Nous allons jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il y a un peu plus loin. Fais donc ça. La porte! Bartrand, ça s'est fermé derrière toi. Tu as toujours tout vu, Varric. Tu plaisantes? Tu vas entuber ton propre frère pour une putain d'idole? Ça ne concerne pas que l'idole. Rien que l'emplacement de ce teig vaut une fortune, et je ne compte pas la diviser en trois. Désolé, mon frère. Bartrand! Je jure de trouver cet enfant de putain, pardon, et de le tuer. Oh, espérons qu'il y ait une issue. Là ! Oh ! Prends ça !
aucune chance. Ah, pas bon, c'est bloqué. On dirait qu'on est coincé là-dedans. Défendons, restez à bonne distance. Personne ne vous attaquera, pas sans mon ordre. C'est quoi ces choses? On dirait des spectres des roches, mais... Ils ont faim. Les impies se tapissent ici depuis des temps immémoriaux, se nourrissant de pierres magiques, au point que le besoin est tout ce qu'ils connaissent. Le lyrium? Est-ce cela qui les sustente? Je ne suis pas comme eux. Je suis là, en visiteur. Ils semblent vous obéir? Ils n'ont aucune volonté, contrairement à moi. Je viens de l'immatériel, attiré par leur faim. C'est un festin qui me sustente parfaitement. Je ne veux pas que cela cesse. Je sens votre désir. Vous cherchez à quitter cet endroit, mais il vous faudra mon aide. Faites attention, ça ne me dit rien qui vaille. Quelle solution avons-nous ? Pourquoi aurions-nous besoin de vous pour sortir? Il existe un accès qui mène à des routes bien au-dessus de nous. Voilà ce que vous cherchez. Cela dit, cet accès a été scellé et ne peut être ouvert qu'avec une clé. Et je sais où elle se trouve. Faites à mon idée et je vous dirai tout. Alors... Vous en pensez quoi? Nous n'avons pas vraiment le choix. Sage décision. Il y a une crypte non loin d'ici, gardée par une créature qui m'accable depuis bien trop longtemps. Tuez-la, et vous serez libres.